la lunguta. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Oui, malamu na GKM télévision fidèles abonnés chers internautes sengonangai koeba bino ebele na bolandi émission na bino ya ba éclairé debout congolais bipa union so bozomi à travers République démocratique du Congo pe à travers mokili mobimba samba olonga pesi bino matondo mingi pona confiance pe fidélité na bino renouvelé na etando oyo bozali sans ignorer que justice ya Nzambe iratakate justice ya Nzambe moto mokote aishapaka na contrôle nango ezali empreinte oyo accompagnaka émission oyo chaque fois que tobandaka yango eza utile ko rappeler na ba commet de mortel que nyonso to salaka ezali na suka pe bandeli pe mabe nyonso to salaka eza na lifuti na yango soki omimoni puissant topé omimoni intouchable yeba epai ya Nzambe topé liboso ya créateur intouchable azalakate tôt ou tard nous finissons tous par payer les prix de nos actes ezali façon na ngai ya ko rappeler biso na ordre poto yeba ete nyonso ezalaka na lifuti na yango eza sentence te okokipe ko bongola bizaleli pe ko s'assurer que avenir na yo e kozala sans conséquence ya mabe na lombango na keina o esangisaka ngai na bino ezali actualité ya République démocratique du Congo singeli to ba ete ba wazalendo bazo continuer ko se mobiliser massivement en tout cas ba territoire presque nyonso ya reste ya République démocratique du Congo ba fils et filles ya ba territoire ya est République démocratique du Congo bazali ko rejoindre front vraiment ya ba volontaire pour la défense de la patrie. C'est ce que vous allez suivre dans cette émission singeli peto ba ke ville cité ya Kitanga ezali bien sécurisé malgré des ordres ngake ya lobby concernant attaque ya ba M23 na ba position ya ba wazalendo. Nous en parlerons tokolobela pe lisolo oyo ya contingent ougandais oyo kweyi na embuscade bango bazaliaki na ngambu ya ba M23 bakweyi na embuscade ya ba wazalendo. C'est une information à vérifier. Nous en parlerons dans cette émission. Ba parachutiste ya République démocratique du Congo baza vraiment à l'œuvre après acquisition ya ba avion de transport de troupes oyo armée na biso et silibongo kozwa toza ko mon spectacle moko eza ko honorer ba congolais ba déploiement et ko salema dans les jours à venir. Nous en parlons dans cette émission koye ba situation nyonso à l'est la République démocratique du Congo tokomi wapi na ba wazalendo tout est à dire dans cette émission ba M23 pe bazwa ki important appui en hommes et en armes ezali ko uta na ba Kenya ya EACP ba Ougandais. C'est ce que dénonce certains éléments de la société civile. Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a koki koloba na bango ouvertement te qu'avant date butoir au batie ya le 8 décembre ba dégager au lieu ba créer ba incident oyo ezali ko révolter peuple congolais wana pe tokolobela yango tokolobela sango oyo ya conseil consultatif électoral ya SADC
oyo esili bon kotalisa après évaluation na bango ya musala sénat azali kosalisa kosala été report ya ba élection ezali inévitable ndenge bango ba moneli ba élection na yango ba kabiliste belé bazali ko tala ko mona été sengeli malamu dialogue esalima pour éviter que ba risque ezalaté. Est-ce que bakabiliste bazali concerné ceux qui les lobe élection et salamité na République démocratique du Congo bazali concerné pour na kokende ko solola na makambo wana tokolobelango na kati ya émission na biso. Quel est l'agenda de Joseph Kabila? Parce que silence oyo ezali koyebana te. Pourquoi ba réunion ya bayi bakabiliste bayi FCC batikali attaché na Joseph Kabila ezongeli ebele ko salema? Qu'est-ce qu'ils attendent de la SADC? Est-ce qu'il faut encore un accord dans l'élection? Oyo, tous allés causer la peine à cause de parce que à Bakabili c'est basé que le Baké Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir par un accord. Est-ce que tous allés causer dans les sous sur le même chemin pour que accord nous sous soit salement pour que Félix Tshisekedi recontrôle encore le pays? Les allés mitouna na bino ebélé tokolo belango na kati ya émission oyo. Pona bosuki si esengeli to ebayete ba pro katumbiste ba pro katumbi pardon ba pro katumbi bazali ko brandir menace vraiment ya séparation ya mboka au cas oyo invalidation ya candidature ya Moïse Katumbi kozala confirmé. Il y a des gens qui pensent que il y a un complot oyo ezali ko salema déjà na ngabu ya CENI pour qu'on puisse invalider Moïse Katumbi comme candidat à la présidentielle dans la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il dénonce. Pe bango bazali kotalisa que bango en tant que bakatangé bazali prêt à accepter en côté ezali vraiment tendance tentation moko ya kolinga ko déstabiliser unité ya République démocratique du Congo. Wana nde sango to kosukisa nango yambo tolobela SNEL oyo bazali kotalisa ete ba coupure intempestive ya électricité na République to na ville ya Kinshasa ezali lié na problème moko survenir na turbine na inga yango ekosala ete ba coupure wana ekozala de temps en temps jusqu'à ce que ba grand avou moko ekosale ma pour que ba maîtriser situation wana. Mais de l'autre côté il y a des révélations qui démontrent que l'eau et l'électricité na ba moment oyo ba pression ezali multiple na moment oyo makambo maponomi makambo zake bele. Il faut kozala na vigilance na ba secteur wana pour empêcher que ba risque topé ba makambo oyo tomona dans le passé et se répéter les sous-souté. Voilà sango to kosukisa nango ba sango na biso ya mukolo ya lelo na tondi bino lisusu une fois de plus ba tondo mingi pona confiance na bino pe fidélité na étendu AG Cam Télévision. Boza le bienvenu soki za mbala liboso zolanda étendu AG Cam Télévision émission oyo debout congolais à travers mwana mboka Samba Olonga esengeli na yo o s'abonner soki ozana nou abonner te partager information na biso surtout le plus important liker et partager. Laissez-nous aussi un commentaire à partir ya wapi yo zolanda biso oza wazalendo a partir ya wapi na mesana koloba toza far dessin na motema mais na moni mikolo yo bolati wazalendo na motema. En tout cas on reste ensemble toujours far dessin na motema bendele ekweyate wazalendo wazalendo toujours. Nous en avons parlé, ça fait plusieurs semaines, ça fait des mois que nous parlerons wazalendo wazalendo tout ça pour continuer ko loba yango. En tout cas far bese ko te zolo bon soutenir na monoko ba congolais. Donc wazalendo est comme non chéri ya ba congolais baza soucieux que est ya République démocratique du Congo ezala pacifié ba prouesse ya mouvement oyo ya ba volontaire pour la défense de la patrie et ça lit vraiment que ba te belé ba s'accrocher na wazalendo. En tout cas ngape na za wazalendo ba congolais nyonso ba komi ba wazalendo. Qu'est-ce qui se passe na moment ozali ko loba na bino ce qui se passe ezali ko kamwisa bato mingi ba congolais ebele baza ko kamwa vraiment mobilisation aboye et tikala na nuko sale maté e bandaki na ba groupes armés moko moko pour faire ce que nous appelons aujourd'hui wazalendo baza constituer
pona ko faire échec na mouvement oyoyo terroriste otobengi M23 soutenu encadré par le Rwanda oyebima na territoire na biso. Avec le temps, nous allons découvrir que le mouvement Oyo allons se développer makasi suite à mobilisation ya ba congolais. Donc phénomène wazalendo allons zwa ampleur moko inattendu. Na moment où tozako loba ba mituka ya ba compatriotes congolais oyo bazali ko route na ba groupes armés mususu oyo ba yo kimbela ya tata mokonzi ekolo que eza important biso nyonso to tia de côté ba divergence na biso ba problème na biso pona ko défendre patrie na biso contre munguna oyo atelemele biso. Je vous laisse suivre ici quelques vidéos que nous avons sélectionné pour mon amakamweza pour continuer pour les cas mobilisation ya bandeko et bazali pour rejoindre front pour lutter contre les M23 et puis nous revenons. Voilà toi Kalunguza. Voilà, ndenge bouti kolandango butu comme na moyi front ya ba wazalendo ezali ko s'agrandir dangereux ou comment en tout cas ba congolais ba lobby eza dangereux te pour na biso, c'est un danger pour les Nations Unies, c'est un danger pour la communauté internationale. Oyo bazana complot ya ko exterminer biso ba congolais pour profiter de nos richesses. Pour les Congolais qui sont dans les Kivu et presque partout à travers l'étendue de la République, les Wazalendo ne sont pas un danger. Ba musu bazako loba en tout cas samba olonga soki Kivu ezaki pembeni biso ba musu metoko ti pe makolo toke ko rejoindre ka mouvement wana parce que likambo oyo ekomo soki sabatu mutema. Tozo lala, tozo la muka, kolobela, toujours le même sujet, insécurité est aussi la thé. Pourquoi des millions de Congolais peuvent se laisser faire comme ça? Na moi instrumentalisation, il y a quelques jeunes qui viennent de l'étranger, na ba musu bazako sombaka pour mettre en danger la sécurité de toute une nation. Vraiment, bolandi ba vidéo, vous allez voir que le mouvement s'étend. Mobilisation à Boye, et bangisaka Rwanda. Boye kaki déjà na conseil de sécurité, mikole le kaki. Ole baloba makamu na bango ya Rwanda ou bien baloba makamu ya armée congolaise na bango, ils sont en train d'exposer les problèmes ya ba groupes armés ya République démocratique du Congo oye menasaka kutu Rwanda te. Non, ba groupes armés ya République démocratique du Congo bazali ko s'associer, bazali ko s'armer, diplomatie oyo ya Félix Tshisekedi, capacité oyo ya kokota na mitema ya batu po batu nyonso ba comprendre que c'est important ya ko défendre mboka na bango nanu tumona ngo na lolenge
Donc les Rwandais aujourd'hui se sentent en danger. Paul Kagame est arrivé même au point où il a commis ko baluke la bande ko naye moko batuti bo conseil ki nga malamu te. Ça c'est grâce à Félix Tshisekedi. Ce n'est que sous Félix Tshisekedi qu'on peut voir un dictateur parrainé par la communauté internationale de manière non officielle à banda ko se plaindre. Ba wazalendo mukolo ya lobby ezala ki pe facilité ba ennemi, c'est-à-dire armée rwandaise ou toujours ko benga M23. Ba yaki lisusu na tendance ya ko récupérer cité ya Kichanga. En tout cas, je partage d'abord la peine na bandeko na biso baza na Kichanga ou baza obligé de temps en temps vivre entre la peur et la survie. Boza ko luka ou ko esika nini ya ko lesali ou yoki lisusu o son ya masasi, il faut se mettre à l'abri. C'est chaque fois que cité wa nezo za la menacer to yebi ke utai ko za la récupérer kala mingité. Ba maman va retrouver sourire na bango bilenge, ba habitant ya coin wana va retrouver sourire na bango. Mais ba M23 soutenu par les Kenyans, les contingents kenyans et ougandais, ba lala kité ba lobi, en tout cas il faut ba ya ko répliquer le sous pour ba récupérer cité ya Kichanga. Nous avons parlé la semaine passée na makambo oyo armée contingent kenyan topé ougandais le sous bazali ko sala. Ils ont créé un bouclier protecteur, ba créé trêve moko eza na raison na ngote. Pendant que les Wazalendo, bah volontaire na biso pour la défense de la patrie, bah avancer makasi tendance ceux qui bitumba ceux qui est assez azalakate sur notre sol. Nous pensons réellement que Bunaga na linga kezala déjà na maboko na biso ndele toujours beta masolo mususu. Mais contingent kenyan na ougandais bah créer manœuvre moko pour na ko faire souffler M23, bah équiper bango, bah armer bango. Les informations provenant de la société civile parlent que, démontrent clairement qu'il y a un soutien en hommes, en armes et munitions, et ça lui coûte de la part il y a contingent kenyan à Ougandais pour la M23. Mais mon colloque lobby, objectif na bango et ça qui va reprendre cité ya Kichanga. Bitumbe et ça qui makasi, comme d'habitude, ba wazalendo, sous bénédiction ya batata na bango. Nous ne communiquons pas en désordre. L'armée congolaise n'a rien à voir avec la défense logique où le peuple congolais, des jeunes congolais, bazali kosala pour défendre kolo na bango. Bitumbe bundamaki mokola lobby est mettre premièrement en échec objectif oyo ba M23 soutenu par les contingents kenyans ougandais bazaki nango ya ko reprendre contrôle ya Kichanga. Va repousser bango jusqu'à 45 km na Kichanga. Ce qui est aussi déterminé ezali que na Bouiza et pas wapi M23 kangami ndenge bavandaki na Masisi. Parce que na Masisi bakende ko mekali susute. Ba bon pâturage ezali kuna paysage ezaki toko ba M23 bakendaki lisuku mivande la kuna. Tant bakendaki kuna bavandi objectif ezali que basa la base na bango munene pour que ba attaquer baza kozela. Ba renfort eye la bango et permettre bango que bas zonga lisusu kuna. Pendant ce temps EAC aza ko continuer ko yebisa ba wazalendo gouvernement congolais non biso to ko attaquer force rebelle à ta mon côté. Nous demandons qu'il y ait un dialogue, le cessez-le-feu doit être respecté. Manœuvre na bango objectif nango ezali que distraction e kota na ngambu ya ba congolais pour faire avancer les M23. Tobo sanité aventure oyo contingent kenyan salaki biso tozeli bango bakota na nzela ya Bunagana baye net baza ko ya na nzela Bunagana bake ba changer baye ko kotela na Goma bazu ba avion baye na Goma bakite na Goma pour nous rassurer que Goma ne tombera pas. Objectif na bango avec les Rwandais qui étaient sur place na état major ya EAC salaki ki Goma est tombé. S'il y a des Congolais qui comprennent, ils sauront que la mission secrète de l'EAC, en complicité avec certains pays occidentaux, dans certains pays africains, où Bazalaki Nangoya que Goma est tombé pour que Félix Tshisekedi a cédé dans la négociation, tu es bien qu'ils aient échec. C'est vrai que, par conséquence, ces alliés mingi, tant que tu as comme on a,
le peuple congolais a subi. Mais quand on regarde sur le terrain, on voit que nous, Congolais, nous avons beaucoup gagné. Façon de gagner, c'est ali que objectif na bango ya ko imposer biso le sous ba Rwandais mususu na ba institution na biso jusque là ba réussir yango te yango bazali ko multiplier ba stratégie pour créer le chaos ko envenimer situation pour que ba Congolais ba céder ce que on n'a pas fait. Donc mukola lobby, félicitations na bande ko na biso ba wazalendo na bwiza pe mbuma elela ki kuna ya ko sakana te oyebi ke bazamba na biso et andenge zalaki na kalate na kata bazamba na biso zalako ko traverser no ata 30 km ozolunga cité ozoke ndi cité mususu ko monaka pe soldate tio ko ti pe na kata village wana soda pe azate mikolo yo bango moko bazo banga bayebi ki avant ba kite village moko pona okende na village mususu bazako banga baza obligé ba mituna 5 fois si ambuscade kozala na katikati wana te. La semaine qui est passée, bakufa ki mingi pour na bambiscade. Na babisika oyo ba vide ezalaki, ba jeune wana ba occuper ba zone wana tellement que moyen M23 a avancé les sous ezati. Yango bazali mingi ko s'empresser na ba négociation, il demande des négociations. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que ça c'est une information singuli to évaluer ngo malamu. Ce qui s'est passé aujourd'hui ezali que contingent moko selon les informations, ils allaient composer na ba rebel M23 te mais ils allaient pe na ba Ougandé na kati. Balongwe esika oyo bango bazali ko traverser po baya côté oyo ba wazalendo bazali. Bakutani na kabakata na embuscade de la part ya ba wazalendo. Frappe oyo ya oyo satandaki te na attaque moni mbata ya kidiba. Et si il y a des conséquences, l'information est toujours à l'école qui est vraiment surpris. Les autres de l'autre côté, ils ont été surpris. Ils ont été attaqués. C'est un mensonge. L'EAC veut créer un incident pour les gens. De façon à ce qu'ils s'attaquent directement dans les groupes armés. Ils ont été voilà. Ils nous ont attaqué, ils ont demandé de réagir. Il y a depuis un long temps, EAC a qui accrochage entre Bango na Bawazalendo. Pour Balobake, non, ces groupes armés-là nous ont attaqué. Yango en échange, na réplique, Bisopé Tozali, Kozongi Sango. Yango question Bazako Luba déjà dans le gouvernement congolais. Nous avons aujourd'hui le même langage, que ce soit du côté du peuple congolais, que ce soit le gouvernement, pour que l'EAC puisse partir. Il ne faut pas attendre que des incidents où les coquilles coupent sa bango, marchandises diplomatiques, si je peux utiliser comme ça des termes, qu'on coupe sa bango maloba, où ils vont condamner Nangobiso et Salima. Parce que ici on comprend clairement que la mission de l'EAC est déjà claire. Bah comme un objectif, il y a qu'on crée un incident, que ça soit diplomatique, que ça soit sur terrain. Pour bah, justifier l'action barbare au Bango Bakosala na Congo. Là, on voit déjà les complots. Que l'armée congolaise soit conséquente, il y a que solo la malamu na EAC, même pas l'armée, le gouvernement congolais, qu'on détermine bah, mouvement na Bango, na bah, action na Bango. Parce que bah, commis déjà l'intention à Mabé. Wazalendo bazako sakana lisusu te. Pour une population de 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, dengue bazako estimé biso ça peut-être plus pour banda oyo biso basala ki recensement biso ba mususu to botamaki na nuti. Lelo bazaka ko estimé par rapport ya recensement salimaka mais utali vitesse ya kobota na Congo na gratuité ya maternité oyo mena yebite. Facha luki makambo. Awa contraception, ba mesure contraceptive, limitation ba naissance, ba yebi yango te. Ba nebele baza kobota mabazo botama na maboko ya ba jeune. Kobota eza en désordre. Ça c'est un sujet entre parenthèses, mais les millions de Congolais tozali to continuer ko lelaka sous prétexte qu'on utilise, on instrumentalise 3005 personnes. Non, ce qu'on n'a pas compris, mondo tozali ndenge nini ba se défendaka. Yango bandeko na biso yo bazako mérité soutien et puis ba Congolais nyonso ba se mué na mouvement oyo pour répondre à la mobilisation, ce qui est très important.
crainte oyo ekomi awa ekomi crainte ya communauté internationale ekomi crainte ya Nations Unies balobi ke pona bango wazalendo aza ko représenter menace baza ko craindre ke ba makambo ekoleka kuneza la sous contrôle te sale mamabe ah oyo kutu salami na ngambu na Israel isalami na bamboka nyonso awa isali crainte te mais oyo ya bato basi bakufa 13 millions nde yango mutezo craindre faire craindre bino. En tout cas, chers Congolais, ne reculons plus. Par rapport à ce point, ce qui est très important, c'est que même si on envoyait une armée de 10 000 hommes, 20 000, Basangani, Kenya, na Rwanda, na Uganda, balobi que balingi batinda basoudan na bango na Congo, il n'y a pas d'armes capables de réduire à néant la volonté de tout un peuple. Je ne pense pas qu'il y aura des avions de chasse qui sauront bombarder toute la République démocratique du Congo. Attends, tout est combien nous allons défendre notre parti. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, pour nous, nous allons retenir que Kitanga est à l'aise dans ma boucle de Wazalendo. L'assurance que Batata na bango, Bazali bien qu'on aide bango. Ce que tu es ma colo, ou y'a pas quitté, ou y'a bien eu une conséquence. Y'a bien une négociation. Désormais, Bazamba ya Congo est miné. Ils ont l'information. Ba parachutiste ya République démocratique du Congo, tout le monde a dit que ba parachutiste bazongi mais ba exercice sikoyo ya malonga e bandi. Ba vidéo ezate ono te boza ko exposer ba militaire na biso non, on veut vous montrer cette vidéo pour ye ba toye ba déjà que ba bataillon na oyo ezalaka les sous-souté ces zongi. Ici nous allons suivre une vidéo ya ba parachutiste na biso ya RDC bazali ko sala déjà exercice na bango avec avion il y a transport il y a troupe il y a sika oh bah yeli bango suivons cette vidéo et puis nous revenons. Voilà, les alliés, simulation, les abajés vidéo, c'est une vidéo réelle. Il y a Makamboza Kosalema, l'armée congolaise, écoutez, biso cher, na 2022, Kinoto Kota wa 2023, en termes de dépenses, na budget, na biso mbongo ebimi mingi mbongo wana soki bachango na éducation, na dimite ke Congolais moko ataya zoba koloba ke fatia longo atoza na besoin na yete. Mbongo yo batye na armée soki batyango na province moko province wana makambo banzela esili peut-être to bakisi likolo na makambo ya ba centre de santé nyonso esili na province wana donc province wana eko komona clair na makambo ebele mais eza kokende na armée pour cela yango toza komona ke bama oyo tozanga kilobi lelo tokomi kozwa ngo quand on voit nos militaires baza ko sala exercice a modèle a boye ba toyebi ke ba commando na biso parachutiste ba existe ka lususu te afdel banda yaka ba militaire nyonso formé objectif na bango ezaki ba exterminer bango non seulement les militaires acheter même les élites awa to komi na ba professeur ya ba université bazo vanté biso kaka ba diplôme mais cerveau vendu à l'afdel. Mais lelo toujours retrouver fierté na biso parce que quand les choses sérieuses commencent tu vois que réellement le Congo s'est investi sur le plan sécuritaire ba koyebi sa ote ke ba drone ye ba koyebi sa ote ke Congo na minute yo a étudié défense ya Rwanda malamu ayebi qu'est-ce que nous devons avoir comme matériel pour en finir une fois pour toutes ennemi wa komi ko barrer biso route empêcher que ba Congolais ba se mobiliser te avant Europe, avant les États-Unis, c'est l'Occident en général. Parce que, il y a des mangeoires dans Bango, il y a des gens qui sont là. Il y a des somnifères dans Bango chaque fois. Il y a des Congolais a sont prêts à se révolter. Il y a des gens qui sont somnifères. Les États-Unis à lobby, Paul Kagame doit faire attention. Les États-Unis à lobby, Paul Kagame a retiré ma troupe. Nations Unies à lobby, Kagame est un criminel.
des recettes comme ça, des déclarations comme ça, biso et fleuraka biso du sous tout est touché quand même à ta maturité. Tant n'ayons qu'à la déclaration ni les États-Unis ou à l'obin à Kagame, on sait que on dit comme ça pour ne rien réaliser. La vraie décision, le vrai combat, c'est nous peuple congolais de biso mutu photo salayango. Ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas arrêter la mobilisation des Congolais. Donc, Bamata, Bakita, ce qui s'est fait démontre déjà suffisance la maturité du peuple congolais. Des jeunes gens ne peuvent pas rester bras croisés, bovandi, dans le village, dans le mbouga, dans le bino. Chaque fois, ça a une incursion, il y a les chefs de village, il y a Katie Moutou, il y a maman. Mais quand on compte le nombre des habitants, vous êtes des millions. Non, insupportable. Bato bazali lelo na kanda balobi, soki ki vwezaki pembeni ya mbele biso soto kotango makolo. Toza na raison, faites-le déjà autrement. Mobilisons-nous. Bango batiena ba moyens na bango na ba réseaux sociaux, ils ont des laboratoires na ba faux comptes pour envoyer de fausses informations qui vont décourager les Congolais, pour manipuler l'opinion congolaise. Donner de fausses informations, même contre le gouvernement congolais. Pas seulement pour vous déformer par rapport à Makambozo, le Ghana Est et la République démocratique du Congo, mais aussi par rapport à la gouvernance du pays. Bah, contre Moussous, c'est comme comment on a publié des informations sur le Congo, mais c'est grave. Mais quand le gouvernement congolais ne sait pas la valeur de la communication et pas Nabiso, bah, on va comprendre qu'aujourd'hui, la guerre, elle est sur le plan numérique. Guerre, il y a information, et ça m'a cassé que les gens sont sous peu de temps. Bango Bassi va préparer. Quand nous sommes au Congo, nous sommes contrôlés par des laboratoires russes, américains, européens. Tu es au Sangana laboratoire à Rwandais, Balingi, Bango Nyon se base dans le contrôle de l'opinion congolaise pour leurs intérêts. Mais comment le gouvernement congolais ne peut pas comprendre la valeur de la communication? Les jeunes communicateurs ont pu communiquer dans le Congo, Bazali Peko Bunda Bunda, sur le numérique pour défendre leur pays. Il faut aussi une armée pour ça. Bino Bovani na Babiro na Bino, Bozolia, Bozomela Bolobi, non, il faut défendre le pays. Ça aussi, c'est une autre chose. Il y a une parenthèse. Donc, retenons que Moussala Ezali Makasi na Est la République démocratique du Congo, FARDC na na Bundi Bitumbate. Mais, Tokomi na point oyo, il faut essalema. La guerre n'est pas la solution, il faut une solution diplomatique. Ndenge bango baté ya kabiso, parce que nous ne valons pas plus que leur chien de compagnie. Bango il faut baya côté ya kabiso ba lobake. Non, le plus important ici, ezali solution diplomatique bango ba memela biso to ke na dialogue na ba Rwandais, to pesa bango mabele na bango baza koluka. Ça ne se fera plus. Conseil consultatif électoral ya SADC. Ils a kolobé la makambu ya report ya élection. Balobi que après évaluation na bango ya makambu processus électoral ndenge zo tambola. Balobi po na bango ezali possible té que ba élection ezala teni dans les délais. Report ya ba élection ezali inévitable. Donc, devons comprendre que bango basi ba sali évaluation na bango. Mais pona nini baye na moment oyo? Pourquoi bakoko zelaka na moment oyo tozali pour venir donner un tel avis? Les élections n'auront pas lieu. Bon, même si les élections n'ont pas lieu, et salamité, supposons que na date prévue. Maintenant, pona bango esengeli to sala nini? Tout ce que nous devons savoir, ezali que derrière les conseils consultatifs électoraux de la SADC se cachent une stratégie. Joseph Kabila. Tomoni ba réunion ezongi ko salema awa. Il y a à peine une semaine. Ba député, il y a PPRD, il y a ba kabiliste o batikala ki fidèle, ba sali déclaration ba lobi bango batikali fidèle na Kabila. Nemi pe tomona ka yeli susute na Shadari tomoni bazongi bango nyonso en force babimi na media. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Botuni ba question wana mingi. La vérité c'est celle-ci. Joseph Kabila a mené une diplomatie amenée auprès à SADC, CAC, Union africaine. Na ba contact na union soazana ngona ba Afrique du Sud partout, il a fait des contacts.
ma lettre na ya komi ba émissaire na ya atindi objectif na bango ezali que Félix Tshisekedi dirige le pays de main de fer. Il est devenu plus dictateur qu'il ne veut pas respecter les accords. Accord oyo Tshisekedi a signé na Kabila biso toyebi yango te. Totikali pe komona accord na papier te oyo Kabila balakisi biso que accord oyo eza signé Félix Tshisekedi. Il y a un torchon qui circule dans les réseaux sociaux ba tumusu bazo continuer ko tindelanga. Je l'ai dit, je l'appelle torchon parce que eza fabrication ya batu. Eza document authentique te. Bazo partager balobi Tshisekedi avait un accord deal ezalaki que Tshisekedi azwa ki pouvoir na maboko ya Joseph Kabila. Ce qui est faux, Tshisekedi nous a déjà dit sa part de vérité. Depuis 2020, on a cessé de demander ba publier accord oyo bango ba signaki na Tshisekedi. Faute d'avoir un accord à l'écrit, ba kabiliste ba yeli biso torchon o ba bimisi o noté. Tshisekedi a dit que l'entente était verbale, toyokana ki entrant na sortant. Pour toyebi ndenge condition ya gestion en boka ezali en Afrique, même partout dans le monde, l'entrant et le sortant ba solo laka. Ils prennent des mesures ensemble pour que Mboka ait la sécuriser. Voilà l'essentiel. Kabila avait besoin d'assurance que Abimana Mboka va toucher yete va kosala yete. Tshisekedi a fait ce qu'on appelle la ruse politique. Papa Abimana auto ko simba yote. Effectivement, Tshisekedi a respecté pour biso ba congolais victime ya barbarie, banditisme d'état ya Kabila pendant 18 ans, 21 ans pour l'AFDEL. Jusqu'aujourd'hui, justice congolaise n'a nous répondre na makamuna bisote. S'il faut les lois appeler ba victime ko ça l'appelle pour na ba victime oyo ya régime ya Kabila pendant 18 ans. Kabila sa place est en prison. Mais ba kabiliste comme si ekoki bango te ba ke ko inviter Sadek pour na bango ba yebi ke élection ko za la te. Les vraies raisons que vous avez vu déclaration à Sadek ba réunion baza ko sala ancien président tanzanien ayé ko bima ezali que objectif na bango ezali dialogue lokola basenga ki ango banda kala. Il faut to solo la ba election lokola ekozala te. Il faut que li solo esalema. Comme d'habitude au Congo, nous savons que ceux qui ba election ezate ba sala ka dialogue entente salami et puis nous allons créer un gouvernement d'ensemble pour aller jusqu'aux élections. Mais bino boza na kati ya course électorale te bato baza ba congolais bato ba supporter makambo ba koti na exercice à course élection bino boboya ke élection bolobite to ko ke na élection na modèle wana te sikoyo lorsque baza ko lobali kambu ya dialogue bino pe boye na kati ya dialogue. La vérité derrière ça vous devez la connaître, c'est que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Na la sina loba na banalise nanga comprend qui veut accepte qui veut que on ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Tshisekedi aza tellement impliqué dans la situation sécuritaire à l'est du Congo. Ils ali pe ko kouté biso tellement de moyens que on ne peut pas associer na moment oyo bataille d'envergure au Tshisekedi a tié à fond au Tshisekedi a tié na est ya Congo pour retrouver la paix. Na question avec l'élection. Les raisons d'État, la réflexion d'État ne veut pas que Biloko ana mi balé salima au même moment. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et puis en vrai Congolais, ceux qui ont plutôt réfléchi, la priorité, nous n'allons pas l'accorder aux élections qui seront organisées en partie parce qu'il y aura des territoires où les gens ne sont pas enrôlés. Bazali, qu'aucune de nos élections t'es, parce que situation sécuritaire est à qu'on permettre d'en voter. Et la quantième fois, au bout de tout, on a qu'on a élection de manière balkanisée. On exclut certaines parties de notre territoire, du territoire congolais. Tout ça, quand on l'a rabattu, on a manqué une élection. Celui qui réfléchit comme ça comprend ce qui va se passer. Loko la Kabila a zappé bien informé. Bango basi va comprendre que Tshisekedi n'est plus dans la logique au Bango Bazanango. Il faut te bousculer Makambu, dialogue et salema. Tshisekedi ne respecte pas les accords. Mais bah, il y a qui bino bo publie accord. Et même ceux qui accordent les alli. Est-ce que cet accord-là est à le peuple congolais?
Qu'est-ce que cet accord-là a à voir avec la constitution congolaise? Existe-t-il un accord qui est au-dessus de la constitution à Congo? Accord, il y a des individus. C'est que Binonde, Moutoubozala, Kamayelete, Bavegla, Kibino, aujourd'hui vous allez revendiquer. Nous allons passer d'accord. Nous allons passer d'accord. Nous allons passer d'accord. Sambo Longa, Bapesa qui pouvoir, Matisekedi, en 2019, pouvoir de négociation. Donc cette fois-ci, Pé Lissoussou, Bazo qui est en négociation pour Bassala Lissoussou, accord, Moussoussou, pour Tisekedi, à son pouvoir. Comprends qui veut. Donc la mobilisation que nous avons vue, Bakabiliste, Batikali, les derniers Kabilistes, Oyo Bakoki, qui a placé Nakati à l'Union Sacrée, Batikali Nangwawa, et ensuite il y a diplomatie, Wana Bassala qui. Bazali, na deux. Exercice au bazar n'a de planification sur le plan diplomatique. Bake kocha ki songi songi kuna kabila bouger bato ya lesa ki enrichissa ki après ça qui ma boulou na Congo que Tshisekedi ne gère pas bien les choses. De l'autre côté, Asha Tshilibino be exilé ao nanga na numbi nanga lobby accord koto yo numbi pe a lobby accord. Le peuple congolais ne connaît officiellement que l'accord FCC cache sur base y a un résultat de l'élection. Cette affaire, il y a Sadek, cette affaire, il y a Bakabili, c'est Balobi, élection et Kozalate. Que les élections n'aient pas lieu dans les délais constitutionnels, c'est une affaire congolaise. Et ça, affaire, il y a Kabilate qui n'est pas dans la scène. Azali, sénateur à vie, président. Ex-président, pour ne pas dire président honoraire, il vit calmement. Mais l'aventure qu'ils veulent créer ici va nécessairement nous amener à une réaction où il faut permettre que le peuple congolais se venge d'une certaine manière. Et ça, la prophétie, c'est plus important de les suivre. Nous devons savoir que Bakabiliste, à partir de l'extérieur, Bazali, pour préparer Kouyamabe. Ce que John Numbi a dit, il a officialisé les plans de Kabila par rapport à la sécurité en Mboka. Comme Tshisekedi ne veut plus nous laisser d'espace. Va comprendre que Tshisekedi a sa botoli nyonso, il faut pas attaquer Mboka, pas créer insécurité. Baza déjà na balien na bango na Zambie, bazali ko négocier même na Angola wa, ba négocier na ba payer belé pour que ba sala kuna bango. Mais c'est le logo bazar pour comprendre que les alliés, il faut que tu aies la dimension au Congo, mon nez, le Congo, les alliés. Expérience, on est à l'époque, il y a l'époque, il y a Mobutu. Il faut que tu aies l'expérience dans l'époque où tu es allé. Neuf frontières, le nombre de tribus, tout ça, la composition peut armer. Le scénario possible, c'est que cela va échouer. Et quand cela va échouer, cela va révolter et tu sais que eux, le peuple congolais. Nous ne souhaitons pas de tels scénarios, mais. Ils allaient payer une autre façon, oyo, batoyo, bazali conduit pour bafouta ma bena bango basali na mboko. Comment vous êtes sorti par la grande porte? Kabila toko benga onka passation de pouvoir pacifique et alternance. Non, c'est aussi une sortie par la grande porte. Le peuple congolais jusque-là n'a pas reçu gain de cause. Batoyo ba torturer qui peuple congolais ba vandaliser économie ya mboko ba détruire ba entreprise union ba piller ba richesse union sous sous les agi lokola ba bien na bango elobi nani pepe mboso na l'assemblée nationale. Quand vous venez encore vous hasardez pour mettre la sécurité du pays en danger, ah ba si ba yebisi bino ba mususu ba kozonga lisusu na exil ba mususu ba kokota boloko maloko kotonda ba mususu. Comprends qui veut. Donc, et logo te vita qui na 2018-19 pour éviter que bandako ba tumsusu ba buka yango te na kanda ya peuple congolais azo se venger contre batoyo ba envahisa ki batoyo ba nyokola ki risque ezali ki esale malikolo ya limite o ezali na réflexion ya bakabiliste. Donc la vraie raison ici ezali ki ba calcul ezo sale ma déjà. C'est vrai. Le réalisme veut que nous comprenions que l'élection, l'élection a repoussé un peu. Mais ce qui va repousser, c'est l'intérêt du peuple congolais. L'intérêt du peuple congolais, c'est que nous sommes salés pour l'intérêt de la Bissonnion.
Mais eux veulent que Bazonga na scène politique. Ils ont déjà un plan pour ça. Si Tshisekedi ne veut pas la voie du dialogue, tout proposer yé ba gouvernement na biso. Étienne Tshisekedi le faisait avec son peuple, avec le peuple derrière lui. Est-ce que Kabila aujourd'hui va revenir au peuple congolais pour nakosenga yé ke botele mela Tshisekedi parce qu'il ne veut pas m'écouter? Tozonga le sous en force na actualité wana, vous devez le savoir. Actualité musu toza ko lobela wa. Oyo to kosuki sanango ezali que batu bazali ko kanisa que complot ya mabe ezali na seni pona ko invalider candidature ya Moïse Katumbi. En tout cas Moïse Katumbi batu bazali ko préparer que ba invalider ye ba communicateur ya peuple ya PPRD na ya ensemble basangani balobi ya un complot qui vise l'invalidation du candidat Moïse Katumbi. Balingi ben validé sous prétexte que azali congolais tout ça ba document ni za yangote baza ko telemela déjà complot wana. Mais ici je voulais suivre une vidéo et ça la mis à partir ya Katanga oyo bato bazali ko exprimer oyo ezali na kati na bango soit les ana kati français les ana kati mais nos langues ne sont pas si difficiles toyo kama kamunde ko azali ko loba simatozongi. Batoto ya Katanga, après avoir constaté depuis la candidature ya honorable Moïse Katumbi Tshakwe, où la Likuya maillot jaune pour être Katanga. Constater un certain temps, bantoube on a tentative na esprit pour invalider candidature ya Moïse Katumbi Tshakwe. Pour invalider candidature ya Moïse Katumbi Tshakwe, c'est être ennemi à accepter l'unité nationale. Ainsi, si bantoube ya Katanga tu as sema, tu as été communauté nationale internationale à témoin et devant l'histoire. À toi, je vais accepter ma bêtise. Na Katanga a été fléchir devant il est ma bêtise. Tu as été président de la CENI, président de la Cour constitutionnelle. Je suis devant l'histoire et la communauté nationale et internationale. Je suis conséquent. Quand je vais oser que tu foutes pour invalider la candidature de Moïse Katumbi Tshakwe, qui est valablement représenté comme un jeune Katangais, un Katangais valéré, un Congolais valéré, qui a le souci de changer l'avenir. Étant la famille katangaise, nous avons apporté soutien à Yetu, chez Batoto Katanga, total, à sa candidature. Voilà. Nakanisi, Bouti Kolanda, Ezambala Libosote, Toyoka, Oezako Bimawana.
soki candidature ya Moïse Katumbi est invalidée, en tout cas, il y a une menace pour l'unité nationale. Na ba publication na bango na ba dire na bango le Katanga sera un pays à part et kokoma pe province mususu et kokoma part, nous ne pouvons pas nous laisser à une dictature balongola biso tant on a tali ba tunyon sona katia vidéo. J'ai eu pitié parce que la misère oyo ba imposa ki biso, c'était vraiment un vrai complot pour balongola bongo ya ba congolais. Ce que nous avons fait, c'est que mais bongo oyo et ça, c'est que nous avons fait un peu sentir que quelque chose est dedans. Balongo lana mitu ya batu place ya cerveau bongo wana bacha eloko mususu bien basala ndenge ni. Comment vous qui êtes attiré par les moyens, les miettes au bazar au tine de la bino? Parce que vous êtes dans le cadre d'un parti politique, vous n'êtes même pas la société civile. Vous êtes militant, vous êtes pas les militants à Katumbi, parce que moi, dont il y a ça, Kafoufou et Kokoya, il y a un peu de village. Parce que moi, Mike, au vous pouvez prétendre avoir le droit d'engager toute une province. Katanga, vous êtes au Bélaï, comme 4 provinces. Si vous avez le droit de Katumbi ou rien, oui, vous avez le droit de le dire. Nakat y a parti politique nabino, mais vous n'avez pas le droit d'engager le peuple congolais dans vos bêtises. Si vous avez une conscience achetée, bon Monique Bino nde ba fabricant ou bien ba fabricateur, y a ba nationalité douteuse, parce que kuna nde ba bêtises nyo soane yelak. C'est à partir de Katanga où on a validé l'identité, il y a Joseph Kabila comme étant congolais, fils de Mouzé, point barre, tout ce qui wana. À partir de Katanga, les congolais ont officialisé yango. Les doutes jusque-là, et tikala, na mitua ba congolais, belé. Mais c'est au Katanga là-bas. Pourquoi il faut continuer à salir l'image des Katangais qui, dans l'ensemble, les Katangais intelligents, basé belé, basali kosala misala na bango? Et ressusciter pour que nous sécurisions ça. Papa ya Dominique Mounongo, pour que nous sécurisions ça. Bobenga bana ya Chombe baza vivant, baye bisabino. Bango bazaki na ba moyen pendant que situation ezalaki très fragile. Comment ba résister qui était comme ça? Katanga etikalati lelo eta. On ne combat pas Dieu. Moïse Katumbi c'est un individu, il doit seul assumer les conséquences. Ya parcours ya vie na ye. Il avait choisi d'avoir plusieurs nationalités, l'instinct d'un businessman. Nakende partout, nazwa nanga nationalité italienne, nazwa zambienne, nazwa awa, partout où le business l'envoyait. Il ne se voyait pas un jour président de la République. Si quoi le lot, ce qui court constitutionnel la lobby qui est balingi ba invalidé candidature ya Moïse Katumbi, yo lobby non te, ezali complot, ba mekate. Les Katanga écoutez que la langue Katanga, ben intimidation à l'endé, coûte pour ça que, ça l'angoisse avec à toute brutalité, parce que visiblement comme ça on sait que Katumbi n'est pas congolais, que ça soit de droit, que ça soit par nature, parce que administration y a mon boulot, dès un moment y a bon de tout ça qu'on comprendre ma cam. Baloba les sous-souter non te, balingi ben invalidé Katumbi, non ça ce sont des intimidations. Ça n'a rien à voir avec le peuple congolais. Tu ne parleras plus le même langage. Mais venir nous dire ici que le Katanga sera un état parce que Kabila Kangi Katumbi Libanda Yamboka a été exilé. Katanga est un état. Nous avons des cerveaux pour réfléchir. Le bon Dieu nous a donné des cerveaux pour tout être tranquille. Quand on parle Katanga, Katanga, wana, nous, Katanga, bino pe ba vrai Katanga. Vous avez aussi la bouche. Comment on peut salir toute une province comme ça et pas y abattre mito et zako salate? Visiblement comme ça, bazana problème. Zala na bangonde zako lobisa bango. Parce qu'ils savent qu'après c'est là tant qu'on découvre ta porte, Moïse Katumbi a coupé sa bongo. Avec cette allure, cette candidature sera invalidée. Parce que
les droits abusos toujours comprendre la mope to yebiango sur base des informations que nous avons. Processus ya koloba ke Katumbi n'est pas congolais bandana tiseke dite et bandaka depuis Joseph de Joseph Kabila avec Tambwe Mwamba. Ba document na yeza la ki complete azwa ka na manière malamu te bango pe tango ba utiliser ye ba monika za instrument na bango. Ba monika balukeli bango ba bimisi vérité sur la place publique. Comprend qu'ivre, cher frère Katangé, cher frère congolais, le Congo est un et indivisible. Ba puissant ba lobaka ke Congo e ka bon habitendi, ba kufa batika Congo mobimba. Jeunesse katangaise, vous n'avez rien à voir avec ces débats là qui ne partagent pas notre quotidien. Débat wana ezana ngona rien à voir avec le quotidien des Congolais. Ce qui ba katangé bazana balabala balobi tisekedi bazako konyokola biso na ba entreprise telle. Bazoko futa biso malamu te, tozana besoin que basala biso boye, bako kisa biso misale zo mona na teme misale o tozo mona bazo futa biso bien te. Ok, mais katange dans la rue non Moïse Katumbi eza bosenzi. Ah, tala lo baka bosenzi, batumsuba lo baka eza injure. Te, mosenzi eza mutoyo, raisonnement eza gauche. Hein? Raisonnement eza toujours na gauche. Comment un Congolais normal, ma pêche aux libertés, y a moi, et fongolo à table, bon, réfléchir, ozo continuer qu'on patine, qu'on a besoin. Tosuki si awa, na likambo, y a Snell. Avant d'aller au likambo à Snell, nous avons constaté que, tous en a pas problème, y a pas diffusion, y a pas vidéo, na biso, suite, y a pas coupure, y a ngonga nyonso, y a électricité. Et c'est partout, na ba quartier, les mêmes places, ba courant, y a la ville à Kinshasa. Ma coupure haute, il y a l'électricité et l'équipe tellement mingi que justification jusque là il y a banagité. Même dans des quartiers où ils allaient dans le centre-ville, place courante, ils allaient qui attaquent et d'accord mais qui d'accord bouette. Et baby, ce n'est la lobby, ils étaient moko ya munene et continue à tribune moko où ils faire fonctionner na inga kuna. Baza obligé to observer ma coupure haute de temps en temps. Parce que moyen moussa ko sala autrement ils étaient jusqu'à ce que ma travaux d'envergure et ko salema ngai na zui ango na relia ngona ndeko moko na yoki azoloba. C'est un pasteur, il a dit des choses et poussé pe instinct ngai analyste na réfléchir dedans pour la musapé bato baza ko kamba biso. Suivez d'abord cette vidéo si mandé to zongi. Cette opération où il y avait un problème d'eau, il y avait un problème de courant. J'ai dit ça pendant un culte un lundi, prière de famille. Et je pense que nous commençons à nous approcher de cela. Opération Tozangi Mwinda, Tozangi Mai. Il y a un sabotage qui se prépare à trois niveaux. Tout ce qui produit l'énergie pour le Congolais. Il y aura un sabotage. Et il y aura un sérieux problème d'eau qui a été encore en vie ou qui était déjà, qui a vécu ce qui s'est passé en 98, cette opération de manque de courant, manque, on appelait ça opération Banyangalakata. Qui se rappelle de cela? Ah bon? Apparemment beaucoup n'étaient pas encore nés. Oui, bien noté. Nous allons prier. Est-ce que vous voulez que la ville de Kinshasa retombe dans le noir et dans cette sécheresse? Tu vas prendre la main de celui qui est à côté de toi et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, nous voulons la paix en République démocratique du Congo. Je répète ce que je dis. J'ai fait une vision et j'ai partagé ça un lundi pendant la prière, je crois il y a 4 mois passés, où je voyais la ville de Kinshasa dans le noir. Je voyais un problème sérieux d'électricité et je voyais la sécheresse, un problème d'eau. Je voyais un grand mouvement de personnes aller chercher de l'eau. Et la ville était devenue déserte. Et si les autorités suivent cette vidéo ou vont suivre cette vidéo, je demanderai de sécuriser nos barrages et de sécuriser nos usines qui produisent, qui purifient de l'eau. Nakanisi,
Bolandi malamu de konabiso pasteur, je sais pas pasteur ou prophète, j'ai pas réussi à retrouver son nom. Nous avons été privés du courant, de l'électricité, du courant électrique et de l'eau. Na 98 tango ba rebelle ba yakati na ville Kinshasa ba sali pont na bango ba yeko kweya ba kata courant ba kata mai pona komona instinct criminel ya ba rwandais. Ils ont visé l'eau et l'électricité. J'étais à Kinshasa, misère terrible, batu ba tuta masangu na maboka batu ba lia ba loso. Je regrette na batu ba kokaka loso te batika fufu bakota na loso. Mais notre frère pasteur dit des choses très importantes au ba autorité na biso. Il faut déjà bazu la ngoba disposition. Instinct criminel na ya bande ko na biso baza assimilé na armée ya Kagame ezali ko pousser que to veiller na babiloko yo ndenge ndeko ya lobby. En tout cas ngape comme observateur formo na moni makambo ezako leka na snel pona courant. J'ai pensé à un complot sans même écouter cette vidéo ou voir cette vidéo. Na mona ki déjà complot. Que les kambo ya mai na courant oyo ezo kende normalité. Pona nini à la veille na momo kaka ba tractation ezala ka boye. Ne moma oyo o pan o to observer bo eta mulai o mai awa crise. C'est vrai ba raison technique, ba raison professionnelle eko kozala. Mais il est important ici d'éveiller. On sent qu'il y a une menace dedans. Dans certains coins, maï et salité, ils ont continué à couler la bateau. Tu ne peux pas mettre ton gobelet pour la bateau, mais la maï sans que tu peut-être dans la condition permettant que maï est à la pure. Ce que tu as vu, c'est que tu as passé. L'eau fait mal au ventre. Par sentiment, mais c'est l'expérience. Il y a des gens qui vivent dans un quartier populaire. Ça ne va pas. Les kambo oyo bato oyo lokwa balakisi déjà ba intention na bango ya mabe, mieux vaut veiller au grain. Mai na courant, il faut veiller. So que zako senga ke armée azala wana en permanence, faites-les. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que snel a communiqué ka ne pe lusu malamu te. Il faut botuna boyeba. Courant et ça vous fait sa mission déception mingi. En attendant que les autorités puissent couler de la macamo malamu congolais nyon se fois veiller lisse sur les colo ya lisse. Nous ne faisons qu'alerter yo partager eko mati nanda ko yandeko na yo oyebi wana yepe cause l'important yo ka vidéo oyo to sunga mboka émission ya mukola lelo kombo moni yango isili. Na souhaite bino bon début de semaine. Semaine vous allez malamu. Merci na équipe technique et sunga kinga yandeko chaque opéte émission oye comme la bino. Na tondi botondi mingi na apôtre Gérard Kabeya candidat député national na tchangu bana tchangu élu na bino yewana bosimba ye malamu aza sans tâche. Merci beaucoup pe mingi na l'homme de la vérité des urnes Jean-Louis Timbalanga. Je remercie également mon vieux Maurice Kikangala. Je remercie Papa Boniface Mpunga, Monsieur le maire, je vous remercie. Merci mingi na maman Bilo Bilonda, merci na maman Lisette Mumbendu, Batu Bolingaka Debu Congolais, na Tony Pe Botondi na candidat député ya Ilebo, Papa Freddy Ngwama, Bandekwa Ilebo Pe Bosimbaye, Malamu. Vous voulez les annonces, tout le bila pe, ba candidature na bino, Sambaolo nanga azana conflit na candidat mon côté. En tout cas, Régine Abisso est disponible pour Nabino. Bolek sape ba makambu na bino toti kala na bomoko bolingo lisanga yango nde ko sala ete Kongo na biso e ba kotelema ngai na bino tokabwani wana.